tell hard of the high engine. This could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me in the new revolution, 'cause this one is it. We sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking for the sky to save me, looking for a sky alive, looking for something to help me burn out bright. Now I'm looking for a complication, looking 'cause I'm tired of life. Make my way back home. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre la magnifique chanson de Foo Fighters, Learning to Fly, en version acoustique. Vous le savez, je suis un grand fan de rock, mais depuis 2019, je vais être très franc avec vous, j'ai pratiquement pas joué de guitare électrique. Avec la pandémie et tout ça, je suis vraiment resté enfermé dans mon sous-sol, comme tout le monde, mais avec une guitare acoustique. Et j'ai vraiment redécouvert certaines chansons en les faisant en version acoustique. Je trouve qu'avec une guitare sèche, on peut vraiment aller chercher d'autres subtilités, d'autres ambiances qu'on ne peut pas aller chercher avec des guitares électriques et un bend au complet qui pioche fort sur son drum et sur la bass. Donc, il y a beaucoup de chansons de rock qui sont meilleures, selon moi, en version acoustique et ça, c'est un excellent exemple que je veux vous montrer. Et on commence dès maintenant avec les trois accords en fait qu'on va avoir besoin durant le couplet. On va commencer avec un si suspendu 4 comme ceci. Et cet accord-là, vous l'entendez, ça sonne magnifiquement bien. Et même si on fait cet accord-là avec une guitare électrique et de la distorsion, ce qui va arriver, c'est que le beau son des cordes à vide ici va un peu se noyer dans la distorsion de l'amplificateur. Donc, on va moins l'entendre, tandis que ici, on peut vraiment aller chercher plusieurs subtilités en piquant un peu plus sur le bord du pont ici, en venant plus vers le milieu de la guitare. Bref, on entend beaucoup mieux la richesse de cet accord-là. Donc, pour faire cet accord-là maintenant, on a besoin de l'index à la deuxième frette de la cinquième corde. On va faire annulaire quatrième frette de la quatrième corde. Tout de suite en dessous, petit doigt, quatrième frette de la troisième corde. En gros, on fait un power chord de si, à l'exception qu'on va laisser à vide la petite et la deuxième corde, comme ceci. Donc ça, c'est notre si suspendu 4. Pour le bien du tutoriel, je l'appelle si. Par la suite, on va faire un peu de gymnastique pour les doigts. Nos deux doigts ici, on va les monter de une corde chaque. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à la cinquième et la quatrième corde. Et notre index qui était ici va descendre de deux cordes pour se retrouver à la deuxième frette de la troisième corde. Ah, et évidemment, on laisse encore une fois les deux petites cordes à vide. Ça nous donne un Fa dièse mineur 11. Un long nom d'accord juste pour ça, ce qui est quand même assez facile à faire et qui s'enchaîne super bien avec notre premier accord. Comme ceci. Et déjà en partant, on peut entendre toute la beauté et la richesse des accords qu'on n'entend pas nécessairement sur la version originale à cause de la distorsion. Et pour terminer, on va y aller avec un bon vieux Mi majeur. Comme ceci. Donc, on va avoir une mesure de Si, une mesure de Fa dièse, et on va avoir deux mesures de Mi. Pour le rythme, on va faire un genre de Ba, ba, oh, oh, ba, oh, ba, ba, oh, ce qui est, les amis, un rythme. Ah, vous êtes bon, vous êtes rendu bon. Si.
Fa dièse. On le fait deux fois pour l'introduction. Run and tell all of the angels this could take all night. Donc, très très simple comme progression. Évidemment, n'hésitez pas à vous baser sur votre feeling du moment ou même sur la chanson originale. Ce qu'on peut entendre dans la version originale, dans le fond, c'est que c'est plus en arpège un peu. Donc, on va les trois cordes dans l'ordre et on pique les deux petites à la fin pour terminer. Même chose sur le fa dièse. Même chose sur le mi. Run and tell all of the angels this could take all night. We sat around laughing and... OK. Donc, allez-y vraiment selon votre feeling. Vous pouvez même piquer un peu plus sur le côté de la guitare ici. Pour être plus subtil. Donc, on fait cette progression-là. Durant les quatre premières lignes de paroles, ça va comme suit. Run and tell heart of the angel, this could take all night. Think I need the devil to help me get things right. Hook me in the new revolution, cause this one is a lie. We sat around laughing and watched the last one die. Une petite montée. Now I'm looking for the sky to save me. Looking for a sign of light. Looking for something to help me burn out bright. Now I'm looking for a complication. Looking cause I'm tired of life. Make my way back home when I learn to fly high. Donc, vous avez bien vu que tout le couplet et tout le refrain, c'est exactement la même chose, aucune différence, à l'exception qu'on peut le faire peut-être un peu plus puissant durant le refrain. À la toute fin du refrain, on va faire Sol, La majeur. Donc, Sol majeur, La. Et on va reprendre exactement les mêmes accords que précédemment. Donc, make my way back home, we'll learn to fly high. Prochaine section de la chanson, on a un petit break dans le milieu. On va changer un petit peu les accords, rien de très compliqué. On va avoir encore une fois notre si suspendu 4. Ensuite, on va aller à un sol. Ensuite, on va faire un ré majeur et un mi. On va faire une mesure de chaque. Par la suite, on va faire un sol et un la. Une mesure chaque, rien de compliqué, ça va comme suit. Fly along with me, I can't quite make it alone. Try to make this life my home. Fly along with me, I can't quite make it alone. Try to make this life my home. Now I'm looking for the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out bright. Now I'm looking for a complication. Looking cause I'm tired of life. Make my way back home when I learn to fly. Make my way back home when I learn to. Make my way back home when I learn to fly. Donc, à la fin, on va juste répéter la dernière partie du refrain en faisant Sol, La, Sol, La,
Et à la toute fin, on va rester sur un si. Quatre fois, et ensuite on a, pour terminer la chanson, c'est pas très compliqué, encore une fois, c'est de la gymnastique de doigts un peu. On fait notre si. Par la suite, on garde exactement la même forme d'accord. On va descendre tous nos doigts de une corde. Et par la suite, on fait exactement la même gymnastique de doigts qu'au début, sauf qu'on le fait sur ces trois cordes-là. Donc, on va monter nos deux doigts ici de une corde chaque. Et l'index qui était ici à la deuxième frette de la troisième corde va descendre ici à la deuxième frette de la deuxième corde. Donc, ça fait... Et la chanson se termine de cette manière. Maintenant, pour ceux qui aimeraient faire un mélange plus précis de la chanson originale avec le riff, comme j'ai fait dans l'introduction, dans la performance d'introduction de la chanson, je vous le montre. Ça se place super bien après le premier refrain pour donner un peu de puissance à votre version. Ça va comme suit. On fait un octave que j'appelle. Donc, on va prendre... En fait, c'est pas juste moi qui l'appelle comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai rien inventé. Index deuxième fret de la corde de La. Ensuite, notre index va être couché sur la corde de Ré pour l'étouffer. On prend le petit doigt ou l'annulaire. Selon votre choix, moi j'aime bien prendre le petit doigt. Il va à la quatrième frette de la troisième corde. Et on va bloquer la grosse corde, la corde de Ré et les deux petites cordes également. Donc moi je pique toutes les cordes. Mais il n'y a que la cinquième et la troisième corde qui sortent, OK? Donc ça peut être un peu plus avancé comme technique. Vos doigts doivent vraiment être couchés. Regardez comme mon index ici est couché pour étouffer les petites cordes en dessous. En plus, mon index dépasse pour étouffer la grosse. Mon doigt ici vient en plus pour étouffer la grosse. Donc... Essayez de bien avoir ce son-là clair, mais avec des scratchs à travers. Fait comme mélanger deux techniques ensemble. Dans les chansons de Foo Fighters, on en voit toujours, toujours des octaves comme ça. Donc, je fais le si. Par la suite, je slide jusqu'à la quatrième frette en gardant le même octave. Par la suite, je vais venir faire un petit bend sur les deux cordes. OK, vraiment pas gros. Juste pour donner un petit peu de feeling à tout ça. Et je vais redescendre au si. Et à la toute fin, je vais venir en plus faire la grosse corde pour imiter le mi qui joue en arrière. Donc, au total, ça va comme suit. On étouffe le mi. On peut reprendre avec l'accord comme ceci. Avec ça en plus, vous allez vraiment pouvoir donner le petit rock peut-être qui manque à la version acoustique et vous avez une version parfaite. Alors j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Comme toujours, allez faire un tour sur le jejouedelaguitare.com pour plein de cours de guitare et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de tout ce qui s'en vient. Allez-y maintenant! Sinon, je monte la montagne qui est là en kart. Abonnez-vous!